Salut tout le monde, bande de petits kebabs, c'est Exquisite8, alors comment allez-vous? Bah écoutez, pour ma part, je vais super bien. Et juste avant que l'intro arrive, je veux juste mettre un petit message pour vous faire plaisir. Voilà, j'espère que vous allez bien, hein, parce que moi pour ma part, je pète la forme, je vais super bien. Donc concernant cette vidéo, ça sera les magnifiques, les sublimes, les spectaculaires, magnifiques graphismes de PES 2014. Donc c'est une vidéo où j'ai réfléchi beaucoup, hein, j'ai réfléchi à peu près une semaine à faire le projet, voir les joueurs qui sont vraiment mal faits, vraiment très très mal faits, hein, parce qu'il y en a qui sont bien faits, ça passe encore. Mais t'en as concernant la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment du grand n'importe quoi, Konami. Donc voilà. Les précédents PES, ils ont passé, ça allait encore, mais là c'est complètement parti en couille. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, que ça va vous faire plaisir, que vous allez rigoler un petit peu, parce que moi je sais que je sais rigoler certaines personnes, mais il y en a, c'est un peu difficile, hein. On a un humour différent, mais bon, j'espère partager tout mon humour à travers cette vidéo, et voilà tout, l'intro va arriver, et je vous souhaite à tous une bonne vidéo, allez, salut! Et voilà, on commence directement par Gignac. Attention, Gignac, grand buteur en ce début de saison, en début de cette année 2014. C'est quand même, actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est 9 buts en 7 matchs. Donc voilà, vous voyez, il était tellement beau dans les images, dans le monde réel. Mais là, si on peut en 2014, il y a quelques soucis quand même, question de cheveux. Moi déjà, ça fait me penser à quelque chose, je sais pas si vous aussi, mais vous allez voir. C'est moi, pour moi, ça me pensait un peu à Jacouille dans Les Visiteurs ou Chausson au Moine. Vous allez voir dans les vidéos, regarde. Vous allez juger par vous-même, tout simplement. Une poufiasse, oui. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse. Cette saveur unique. Chausson au Moine. Pardon, mais c'est trop bon. Pardon, mais c'est trop bon, voilà, moi, il a la même coupe de cheveux. Donc voilà le petit Jordan Ayew avec cette si belle crête, mais malheureusement, disparu sur PES 2014. Alors c'est vraiment très bizarre, déjà vu sa gueule, on dirait pas Jordan Ayew tout simplement. Hein, je pense que les Konami, les petits chinois en train de faire le jeu, ils sont complètement ratés, parce que Jordan Ayew, sans sa crête jaune sur la gueule, ce n'est plus Jordan Ayew. Je suis désolé, là, Jordan Ayew, ce n'est plus Jordan Ayew. Voilà. Monsieur Kolo Touré, avec des cheveux courts, hein, je dis bien le mot cheveux courts, parce que sur FIFA, sur PES 14, je sais pas, ils ont fait un brushing, ils ont mis une perruque, je sais pas, mais il a des cheveux longs, hein. Dans sa vie, il a jamais eu des cheveux longs, mais là, peut-être pour lui faire plaisir, pour lui, peut-être un petit troll, je sais pas, mais ils m'ont ajouté des cheveux longs. Alors je pense, en voyant ça, je pense que Kolo Touré, quand il s'est vu dans PES 2014, il a dû faire la gueule, tout simplement. J'ai envie de dire, il a dû pleurer. Ah bah non, ça va, il est content. Oui, Kolo Touré est très content. Bon, c'est pas grave. On passe au joueur suivant, Lorente, attaquant de la Juventus qui est venu cette saison. Il a vraiment un charme de beau gosse sur PES 2014. Voilà, il a des cheveux, je sais pas comment expliquer ses cheveux, mais voilà, c'est, on dirait une belle fille, tout simplement, une belle blonde aux cheveux, voilà. C'est magnifique. Voilà, complètement raté aussi, hein, normalement, il a des cheveux courts, il est blond, ou il est blond aussi, mais on va dire qu'il a un peu une tête de travelot sur PES 2014, quand même. Et des petites erreurs, hein, pas des petites erreurs, mais des grosses, hein. Des grosses erreurs, hein, monsieur Konami. On passe à Marcelo, je vous dis bien aussi, il a des cheveux. Et ben là, ils ont fait un assassinat de ses cheveux. Hein, ses cheveux sont en manque de disparition. Hein, on ne trouve plus ses cheveux. Hein, y a un petit problème. Hein, désolé, Marcelo. Hein. Normalement, t'es toujours avec ta petite touffe là, un peu marrante. Mais là, non. Non. Ils n'ont pas voulu te faire sourire. Et malheureusement, t'es malheureux. Hein, je pense que tu dois être malheureux. Parce que sans tes cheveux, je pense que tu n'as plus de charme. Et oui! Reste choqué comme ça, je pense. Ça sera mieux. Nous passons
au joueur suivant, joueur du PSG, Maxwell. Je vous dis bien, il est brun. Hein? Regardez bien. Maintenant, il est un peu... On voit pas encore. Un peu... Je dirais... Brun roux. C'est très bizarre. Ils auraient pu faire quand même des efforts parce que les joueurs de Paris, hein, le Qatar aurait pu payer Konami pour dire voilà, faites des efforts, faites-nous plaisir, faites-nous des joueurs qui ressemblent à nos joueurs. Jean Maxwell, faites-le pas roux brun quoi. Hein? C'est normal. Non, mais ils ont complètement raté. Passons à Raphaël. Cheveux très courts. Et là, il y a la grosse touffe. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu faire un mélange Raphaël David Luiz. Je pense que c'est ça, hein. Un mélange Raphaël David Luiz, mais c'est complètement raté. Hein, on peut pas métamorphoser les deux joueurs, on peut pas les mélanger. Des joueurs, ça se mélange pas. Konami, ça ne se mélange pas les deux joueurs. Un joueur reste un joueur. On peut pas mélanger les coupes de cheveux. Hein. Désolé Raphaël pour toi, mais bon, ta vie est terminée. Passons à Bakary Sagna, hein, des dreadlocks très très courts dans la vraie vie, et là c'est un brushing total. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait le jeu, je sais pas s'ils ont fumé un gros ouinge, hein, je pense que c'est ça. Parce que là je pense que tes cheveux, je pense si tu les vois dans PES, je pense que tu vas pleurer. Ça fait, pour moi quand je l'ai vu, ça m'a fait très très peur le fait. C'est quoi ces cheveux? Tu verras jamais quelqu'un dans la vraie vie avec des cheveux comme ça. Passons au petit bonus. Attention. Bonus. Miss France. Oui, Miss France. Franck Ribéry, nouvelle Miss France. Non, je rigole. Nous allons passer à monsieur Franck Ribéry sur le nouveau PES 2014. Ah non. Ça, c'était PES 2005. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Sur PES 2014, il est quand même... bien fait, ils ont quand même fait quelques efforts. Parce que, sans être méchant, quand même, faire Franck Ribéry le modeler, ça doit être vraiment difficile. Parce que, comme vous savez, Franck Ribéry, il a eu beaucoup de problèmes dans son visage. Et vraiment, bravo quand même pour ça, pour PES de faire bien Franck Ribéry. Donc, ce petit chinois, c'était Kamenaza Kozuki, hein, le créateur de PES. J'espère que pour les prochains... Pour les prochains PES, j'espère que tu vas faire de très bons progrès. Parce que là, vraiment, il faut que tu fasses des progrès. Parce que si tu continues à faire des gignacs qui ressemblent aux gars des visiteurs ou que c'est aux moines, tu peux te mettre une balle dans la tête, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous souhaitez peut-être une partie 2, une suite, je ferai de mon effort. Hein, sans souci, il n'y a pas de problème. Et ça vous, ça, si, comment dire, si ça vous fait plaisir une suite, bah pourquoi pas. Voilà, je le ferai avec plaisir. Donc déjà cette vidéo, je vous préviens, je suis ni anti PES, hein, parce que moi je, comme chaque année, j'achète PES FIFA chaque année, parce que moi j'aime bien PES, j'aime bien FIFA, mais cette année PES sont vraiment bien tombés dans un gros trou de merde. Donc j'essaie aussi d'uploader, demander des uploads de cette vidéo, genre à la PCC, à des chaînes Only FIFA, pourquoi pas uploader des vidéos d'une vidéo de PES dans une chaîne FIFA un peu pour rigoler quoi, ça serait plutôt sympa. Et dans plusieurs autres chaînes communautaires. Donc si elles sont acceptées, je vous dirai un gros merci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Kebab vous remercie. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Allez, salut tout le monde, bande de petits kebab, hein. Yeah man, allez, bye bye.